Allez, les gars. Allez, petit bleu, allez, allez, allez. C'est un bloc de 5 matchs consécutifs qui se présente pour l'équipe Fanion de Lusso Florent Sacpinet jusqu'à la trêve de Noël. Hasard du calendrier, c'est exactement à la même période que la saison dernière que le club se déplace à Alignan-du-Vent. Les nôtres s'étaient imposés 3-2 avec un doublé de Vincent Palumbeau. David Laurent gardait exceptionnellement les cages et avait encaissé 2 pénalties. Aujourd'hui, l'objectif du coach est de ne pas perdre et de laisser les Alignanais à distance. Le groupe est toujours diminué par de nombreuses blessures. 2 joueurs feront leur premier pas avec l'équipe première, Guillaume Lagèze et Anthony Kramer. Avant le coup d'envoi, une minute de silence a été respectée en hommage au père de Jonathan Boutier, ancien joueur de Lusso, décédé récemment. Début de match timide des deux côtés, la première opportunité sera pour Alignan-du-Vent sur un corner tiré par Kevin Cortijos, oublié au second poteau, Karim El-Wafi tire au-dessus. Lusso répond sur coup franc. Damien Patrak ne trompe pas la vigilance de Vincent Vezranovski. Samir Layoun va ensuite rater son contrôle défensif, ce qui va permettre à Julien Bosque de récupérer le ballon côté droit et essayer de lober Vincent Vezranovski sans succès. Le match s'anime donc de plus en plus. Nouveau corner d'Alignan-du-Vent tiré par Alexandre Castillo. Aurélien Ross frappe, c'est sauvé sur la ligne par Brice Mazoyer. Mauvaise passe de Thibaut Roch dans l'axe. Christopher Gresset récupère et donne à Nicolas Lopez. Il fonce vers le but, mais son tir est freiné par la jambe de Karim El-Wafi. Peu de choses à signaler ensuite, jusqu'au coup franc tiré par Malik Amarouche pour Lusso. Vincent Palumbeau est seul et place une tête imparable dans la lucarne droite. Souvenez-vous, il avait inscrit un doublé la saison dernière. C'est une pelouse qui semble lui réussir. Le co-meilleur buteur de la saison passée inscrit là son premier but de la saison en championnat. Juste avant la mi-temps, Benjamin Simon repoussera du poing un coup franc de Samir Layoun. Et puis dans le temps additionnel, un choc brutal entre Brice Mazoyer et Vincent Vezranovski alertera l'ensemble des joueurs. Mais plus de peur que de mal pour le gardien. Comme quoi dans le football, même quand on ne produit pas de jeu, et là, ouais, c'est pas forcément l'équipe qui sait d'attaquer qui gagne. Voilà. Lance sur Benjamin Simon, il est loin de se douter qu'il sera le héros du match à la fin de la rencontre. Le premier quart d'heure de la seconde période sera décisif. On s'attend à une montée en puissance des locaux pour essayer d'égaliser. Ça n'a pas manqué, une minute seulement après la reprise, Julien Diaz frappe un coup franc excentré côté droit. Ce sera dégagé en corner par Damien Patrak. Un nouveau coup franc pour Lusso et Malik Amarouche cette fois-ci. Le ballon passe juste au-dessus des cages. Quelques minutes après son entrée en jeu, Guillaume Lagèze tacle en retard Steven Jamé. Monsieur Bosch, l'arbitre, sort un carton jaune. Avant de se raviser et sortir le rouge. Guillaume Lagèze s'en souviendra longtemps de son premier match avec l'équipe première. C'est le tournant du match, car à partir de ce moment-là, Alignan-du-Vent va pousser pour profiter de sa supériorité numérique. Alexandre Crespo tire d'abord au-dessus. 3 minutes plus tard, Alexandre Crespo dans la surface de réparation côté gauche, frappe en force
C'est repoussé désespérément par Kevin Kramer, Brice Mazoyer, Benjamin Simon et enfin Julien Alary. Mais au plus fort de sa domination, les rouges et noirs vont enfin être récompensés. Près de la ligne de but sur la gauche, Alexandre Castillo élimine Damien Patrak et David Laurent, remet dans l'axe pour Aurélien Reuss qui frappe sans contrôle dans le petit filet droit. La rencontre va ensuite baisser en intensité et on sait que Lusso peut l'emporter à 10. On l'a vu contre la pointe courte de 7. Alors pourquoi pas sur ce coup franc de Damien Patrak. Malheureusement, il lève trop le ballon. La fin de match va devenir totalement haletante. Alignant du vent va obtenir plusieurs coups de pied arrêtés dangereux autant les uns que les autres. Alexandre Castillo envoie dans la surface. Alexandre Crespo tire en finesse. C'est mal stoppé par notre gardien. Il refrappe Mohamed Alassri contre du pied. Frappe d'Aurélien Reuss, nouveau sauvetage de Benjamin Simon. Gaëtan Rodriguez place un dernier tir, contré par Christopher Gresset. C'était très chaud. Toujours impérial, Benjamin Simon repoussera un énième coup franc d'Alexandre Castillo. On joue la quatrième minute de temps additionnel. Monsieur l'arbitre se fait avoir par Samir Layoun qui simule une faute dans la surface de réparation et siffle pénalty pour Alignan Duvin. Alexandre Castillo pose le ballon pour le frapper. Héroïque, Benjamin Simon part du bon côté, repousse le pénalty, puis contre le tir d'Alexandre Crespo dans la foulée, avant que David Laurent de la Poitrine bloque un ultime tir d'Aurélien Reuss. Au bout du temps additionnel, Benjamin Simon, encore une fois, sort proprement les points devant Karim El Ouafi. Fin d'un match totalement fou, Lusso a résisté tant bien que mal et arrache un nul. On peut féliciter aujourd'hui Benjamin Simon ainsi que Mohamed El Asri, auteurs chacun d'une prestation parfaite. C'est donc un second match nul consécutif et l'avance acquise en début de saison a fondu, même si Lusso reste dans le quatuor de tête, on va voir tout ça. Puis Selekom Agala s'impose face à Sudero 42-0. L'AS Juvignac obtient sa première victoire de la saison du côté de Poussin 3-0. Corneille en lignant sur Orbe fait exploser la pointe courte de 7-9-0. La Clermontaise 2 qui gagne à l'arraché du côté de Montpellier-Saint-Martin 3-2. Et le leader Lespignan-Vendre est allé battre Marseillan 3-1. Au classement, toujours en tête Lespignan-Vendre, 24 points sur 24 possibles. La SPM passe deuxième avec 20 points. Lusso rétrograde à la quatrième position, devancé par Corneille en lignant sur Orbe. La Clermontaise recolle quatuor de tête et Alignan du Vent reste à distance. En seconde partie de tableau, ça va mal pour la pointe courte de 7 qui passe relégable avec 10 points. Montpellier-Saint-Martin toujours bon dernier. Juvignac se donne un peu d'air. Et du côté de Poussin, eh bien ça va mal, on baisse de plus en plus au classement, les défaites s'accumulent. Bravo à l'équipe Senior 2 qui s'impose ce week-end du côté de Vias 4-0, un quatrième succès d'affilée qui leur permet de conserver leur seconde place au classement derrière l'étoile sportive de 7 et devant la Pérade. Tiens tiens, dimanche prochain, les deux formations vont justement s'affronter tandis que les nôtres recevront l'AS Mireval 2 du côté de Pinet, ce sera 12h30. Et pour l'équipe première, juste après à 15h avec la réception du 3e Corneillan Lignan sur Orbe. On vous attend très nombreux dimanche prochain.